Bonjour et bienvenue à notre série Zoom de Grand Château de la Loire et de l'Île-de-France. My name is Aimée Laberge. I am the Director of Programs here at the Alliance Française de Chicago. And it is my pleasure to welcome you to the Château Royal de Blois today in the company of our special guest, Elisabeth Latrémolière, and this series curator, Russell Kelly. A note on this program, Madame Latrémolière will speak in French, but Russell will make sure you can follow by doing a brief English summaries as we go along. Does everybody hear me? I'm good, huh? Okay, I'm not on mute. Sorry. A recording will be sent to you in a day or two in case you have to leave early, to have to leave the le lecture early. But before we get started, a few tips for those of you who are new to Zoom. You have been muted on arrival and will remain muted to avoid sound interference during the talk. We encourage you to communicate with us at any time using the chat line. To find the chat line, go to the bottom of your screen and the little icon is right there in the middle. Give it a try and let us know where you are listening from because we always like to know this. We also encourage you to type your question in the chat line at any time during the talk. It will be answered by our guest speaker at the end. This series would not have been possible without our partners. We would like to welcome members from our Alliance network in the US, from the French Heritage Society, as well as participants joining us from WICE WISE in Paris. Now, a few words about Russell Kelly. A board member of the Alliance Française Miami Metro, Russell is the curator and moderator of the lecture series on the Grand Château of the Loire and Île-de-France. He is the author of The Making of Paris, the story of how Paris evolved from a fishing village into the world's most beautiful city, to be published by Globe Picot Press in March 2021. He has lived in France for nearly 30 years and has visited every château featured in this series many times since his first visit to the Loire Valley 50 years ago. À vous, Russell. Merci, Aimé, and welcome everyone. It is my pleasure to introduce today's guest speaker, Elisabeth Latrémolière, who has been the directrice of the Château Royal de Blois since 2005. So Elisabeth knows something about Blois. But before Madame Latrémolière begins her illustrated presentation about the very long and eventful history of the Château de Blois, she invites us to see a 3-minute video to put us in the mood. Take it away. Thank you.
À vous, Elisabeth. Bien, bonjour à toutes et tous. Hein. Donc, je suis en direct du château de Blois. Nous sommes, il est 19h. Et vous voyez derrière moi la cheminée, l'une des cheminées de l'aile Louis XII. Donc, on est en direct depuis mon bureau à l'intérieur du château. Comme il est 19h, eh bien, je suis seule dans ce grand château avec, bien sûr, un agent de sécurité, mais qui est deux étages en dessous de moi. Voilà. Donc, bienvenue à tous et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble au château de Royal de Blois. So Elizabeth is at her office in the Château of Blois with the wonderful chimney behind her. She's in the Louis XII wing. She's alone in the château with only the security guard with her because it's 7 o'clock at night there and the confinement started an hour ago for the whole country of France. So we will pass immediately to her presentation. Eh bien, à nouveau bonjour. Donc, on démarre par une vue que vous avez déjà vue dans la vidéo, hein, qui vous présente le château de Blois tel qu'il est, c'est-à-dire c'est un château au milieu d'une ville, de la ville de Blois, qui est une petite ville de 60 000 habitants, située sur un promontoire, donc une élévation qui domine la Loire, le fleuve que vous voyez qui traverse l'image. So this is a wonderful photo of the château, which is surrounded by the city of Blois with a population of 60,000 people, overlooking the Loire River. Alors, l'autre caractéristique du château de Blois, effectivement, c'est qu'il est dans la ville, au milieu de la ville de Blois. C'était donc un palais royal, une résidence royale. Et vous voyez ici sur l'image deux vues depuis la ville. À gauche, une vue dite de la façade des loges qu'on reverra, l'aile de François Ier. Et à droite, une vue sur la place du château. Donc c'est par là qu'on entre, que les visiteurs entrent aujourd'hui au château de Blois. C'est elle de briques et de pierre. Et moi, je vous parle depuis le dernier étage, là, l'une de ces fenêtres. C'est mon bureau, la dernière à gauche, Russell. Voilà, je vous fais un petit coucou de là. OK. So, Blois is surrounded by the city. The château is surrounded by the city of Blois. And it is a royal château. These are two wings of the château. On the left, you have the exterior wing, which we will of François Ier's château, which we will talk about later. And this is the entrance to the château from the square that's just before it, with the wing built by François Ier, Francis I's predecessor, Louis XI. And here is the office of Elisabeth Latoy-Molière, where she is as she speaks at present. Voilà, alors on a une vue ici de l'intérieur du château, l'une des cheminées qui nous rappelle une autre chose, c'est que le château est un lieu de pouvoir. Donc nous allons avoir des emblèmes royaux qui rappellent cette destination, c'est-à-dire qui renvoient à tous les souverains qui ont construit et habité le château. Ici, nous avons la salamandre couronnée qui crache le feu, salamandre du roi François Ier. Donc le roi François Ier est roi de 1515 à 1547. So, being a royal château, it is decorated throughout with emblems of the various kings who have resided here. And what you see in front of us on this slide is the emblem, which is above a chimney, of the golden salamander of François Ier, Francis I, who was king between 1515 and 1547. Voilà. Donc revoilà une vue aérienne du château qui permet de voir effectivement les différentes ailes du château qui correspondent à chaque fois à une période de construction différente. C'est pourquoi on parle d'un florilège de l'architecture française, c'est-à-dire une sorte de résumé d'histoire architecturale aujourd'hui qui va dans ce qui est visible du XIIIe au XVIIe siècle. So this wonderful photo really captures four different periods of architecture. And we will be investigating each individual wing that you see here today. It's a florilège de l'architecture française, which is translated less elegantly as an anthology of French architecture. Là, on se retrouve au niveau de la cour. Donc, vous avez en face de vous une construction du tout début du XVIe siècle. Entre les deux,
un bâtiment du XIIIe siècle et à gauche, l'aile de François Ier du début du XVIe siècle. Et derrière moi, on se prend en tant que spectateur, il y a derrière moi une aile du XVIIe siècle. Donc autour de la cour, on va retrouver toutes ces époques de construction que l'on va peu à peu décrire et revoir ensuite au cours de mon propos. So this is a photograph from the inside, or the previous one was the outside, and around it are the buildings that we will be discovering in the course of Madame La Trémolière's presentation, one at a time, chronologically. Donc on va reprendre les différentes époques. Alors, du Moyen-Âge au début de la Renaissance, vous voyez deux éléments d'architecture. À gauche, ce qu'on appelle le château gothique, c'est-à-dire le château du Moyen-Âge, qui correspond à la période où le château a été construit par les comtes de Blois. Donc c'est une période gothique, cette salle est du XIIIe siècle. Et sur la droite, ce que vous avez en briques et pierres, on voit une tour d'escalier, une galerie. Tout cela date du roi Louis XII, donc vous avez les dates à droite, hein, le roi Louis XII, qui est roi de 1498 à 1515, construit cette aile au tout début du XVIe siècle, donc entre 1498 et 1502. On vous a indiqué aussi que Louis XII était marié à une reine qui est très célèbre en France, donc qui s'appelle Anne de Bretagne, et qui va mourir au château de Blois. Donc on voit là le rôle de lieu de pouvoir du château. Plusieurs souveraines vont effectivement mourir au château de Blois. So this slide shows us the first wings from the first two architectural periods that surround the courtyard from the Middle Ages to the beginning of the Renaissance. And here on the left is what's left on the outside of the Gothic chateau, which was built in the 13th century by the Counts of Blois. And on the right, you have the chateau built by King Louis XII at the very beginning of the Renaissance between 1498 and 1502. Louis XII was the husband of Anne de Bretagne, a famous queen who died at Blois in 1514. Voilà, donc si on continue cette histoire du château, qui donc, vous voyez, une sorte de résumé de l'histoire de l'architecture française et du château. Donc là, nous avons l'aile de la première Renaissance, dite de la première Renaissance, c'est-à-dire le tout début de la Renaissance, avec le château construit par le roi François Ier à droite, et cet escalier extrêmement célèbre aussi. Donc François Ier avait épousé Claude de France, qui était d'ailleurs la fille de son prédécesseur, du roi Louis XII, qui va elle aussi mourir à Blois. Et puis, on a au fond de la cour une aile qui est beaucoup plus tardive, hein, qui date de 1635 et qui a été construite par Gaston d'Orléans, frère du roi Louis XIII, lequel Gaston d'Orléans va aussi mourir au château de Blois, d'ailleurs, en 1660. So the other two wings surrounding the courtyard that we will discuss in more detail later date from the first Renaissance to the classical period. Here on the right, you have the wing built by François Ier in the early classical style, early Renaissance style, with its famous outdoor staircase, which we will also see again later. He was married to Claude de France, who was the daughter of his predecessor, Louis XII, and Claude died here at Blois in 1524. And over on this side, you see the wing built much later, 1635 to 1638, only 3 years to build this wing in the classical style. It was constructed by Gaston d'Orléans, who was the brother of the king, Louis III, who also died at Blois, Gaston, in 1660. Alors, si on entre dans le château, on va s'apercevoir qu'on a un château qui est extrêmement coloré, avec des couleurs parfois très vives et beaucoup de décors dorés. Alors, cela est particulier aux palais royaux de la Renaissance, puisque la couleur, c'est la marque du rang social. Lorsqu'on est pauvre, on a des habits sombres, on n'a pas de lumière, mais lorsqu'on est riche et puissant, on vit dans un monde de couleurs et de lumière.
So this these images show that the interior of the chateau was richly decorated in gold and with golden and colorful decorations, because the color was actually a privilege of the rich, and the poor did not have such glorious colors in their surroundings. And on the right here, you see the H, which is another emblem of the king. This happens to be Henry II and Henry III, who were the son and grandson of Francis I. Voilà, maintenant on va détailler cette longue histoire du château, son architecture et les événements qui s'y sont passés. Donc d'abord ce château du Moyen Âge, hein, qui va du 10e au 13e siècle. Il nous en reste quelques éléments. C'était donc, je rappelle, le château des comtes de Blois. Donc ce n'était pas encore un château royal. Et on voit très bien des vestiges du rempart sur les deux photographies, ainsi que des vestiges des tours d'enceinte de ce qui était une forteresse. Hein. Forteresse, ça signifie que vous aviez un bâtiment qui était là pour se défendre et voir les ennemis qui arrivaient de loin. So now we're going to go in more detail into the four periods that distinguish the Château de Blois, starting with the Middle Ages, built when the château was built by the Comte de Blois between the 9th and 13th centuries. There are still vestiges left, as you can see on these two photos. Here on the left is a tower, dates medieval tower called the Tour du Foy, and the ramparts exist both on the south side that you see here and on the north side here, on which were built more modern structures. Revoici un autre élément qu'a cité d'ailleurs Russell. C'est un vestige qui s'appelle la Tour du Foy. Ce qui est intéressant, c'est que c'était l'une des tours d'enceinte de la forteresse. Et on voit très bien à droite, vous voyez sur la photographie, la Loire, donc qui montre qu'on est sur une élévation, un promontoire. Donc du château de Blois, on pouvait évidemment voir les ennemis qui arrivaient souvent par le fleuve et pour lequel on utilisait bien sûr cette forteresse pour se défendre. Donc on est là dans un lieu de défensif hein, au XIIIe siècle. So here's another view of the same tower that we saw in the previous slide. And you can see that it's built well above the city of Blois, overlooking the river Loire in the distance here. And it obviously highlights the fact that when the chateau was originally built, it was built on a rocky promontory for military defensive purposes. And the building on top was added much later, needless to say. Alors à nouveau, si on entre dans ce château médiéval, on va trouver une pièce exceptionnelle. C'est la seule salle de ce type qui reste aujourd'hui en France. Donc c'est la grande salle seigneuriale qui a été construite par le comte Thibaut VI en 1214. Donc c'était à la fois une salle de justice, une salle de réception où on pouvait faire des banquets aussi. Et vous voyez qu'elle est extrêmement colorée et couverte par deux voûtes en bois, décoré de fleurs de lys et au milieu une grande rangée de chapiteaux dits à crochets la sépare en deux parties. Voilà. Cette salle a été réutilisée à la Renaissance, on en reparlera tout à l'heure. C'est une salle de très grande dimension, hein. Je rappelle, elle fait aujourd'hui 500 mètres carrés. So we saw on the outside from the courtyard a rather plain looking building in the corner of the courtyard. Well, this is what's inside that building, which is the great hall built by the Count of Blois, Comte Thibault Theobald VI in 1214. It's a very large room, as you can see. It's actually 500 square meters. And it's entirely built, the roof is all in wood and the entire surfaces are covered in bright colors, including the wooden ceiling. It is the oldest of the building of a great hall of the Middle Ages still in existence in France. Voilà. Nous passons à la deuxième grande époque de construction du château et d'histoire, puisque les comtes de Blois vendent le château et le comté à la fin du XIVe siècle à la famille d'Orléans. Et dans cette famille d'Orléans, un homme, Louis, va devenir roi sous le nom de Louis XII en 1498 et il va
reconstruire, construire un nouveau château. Donc, vous voyez là son emblème, hein, comme tout à l'heure, on a vu la salamandre de François Ier. Eh bien, pour Louis XII, c'est un porc-épic. On pensait à l'époque que le porc-épic envoyait ses piquants au loin sur les ennemis. Et donc, il pouvait se défendre de loin comme de près. Et à droite, on a une très belle statue équestre hein, qui est au-dessus de la porte d'entrée actuelle du château, qui représente le roi Louis XII. Hein. Cette présentation est d'origine italienne, hein, le fait d'avoir effectivement le propriétaire du château à cheval, accueillant les visiteurs. C'est une habitude qui vient d'Italie. So, in the, at the end of the 14th century, the Duke, the Comte de Blois, sold the château and the county to the Duke d'Orléans. And a later Duke d'Orléans, Louis XII, became King of France in 1498, and the château became a royal château at that time. Louis XII had as his emblem, François Ier's was the salamander, Louis XII was the porcupine. And the idea was that a porcupine could defend itself well with its spines, that it could fire at enemies far away or near. On the right here is an equestrian statue of Louis XII placed over the entrance to the chateau in a very Italian style fashion. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va passer d'une forteresse, on a vu tout à l'heure, une forteresse médiévale du Moyen-Âge, à un château de réception. Et c'est ce que fait Louis XII, c'est-à-dire que l'on ne va plus faire une action militaire, mais on va faire de la diplomatie. Donc le château va devenir un objet aussi somptueux que possible, de façon à impressionner les ennemis et les visiteurs. Et là, on voit à Blois cette transformation, le passage de cette forteresse défensive à cette résidence royale somptueuse où le roi Louis XII et la reine Anne de Bretagne vont impressionner les visiteurs. Donc, on passe à l'ère de la diplomatie. So this is that's the entrance to the château. We saw the Louis XII statue on the other side, on the exterior. This is the inside of the courtyard, looking at the same Louis XII wing, Louis XII wing that he constructed. And he transformed, with the construction of his wing, he transformed the chateau from one where the primary purpose of the chateau was military to one where it was more diplomatic. So instead of trying to protect and intimidate his enemies, he was trying to impress his energy, his enemies and other visitors with the grandeur of its sumptuous residence. Alors ce château qu'on vient de voir, donc construit par Louis XII, vous voyez qu'il se caractérise par des couleurs très particulières. Il est blanc et rouge. Rouge parce que c'est la brique. La brique est un matériau local. Et donc c'est une demeure de briques et de pierres qui mélange deux styles, puisqu'on est à la limite du Moyen-Âge, avec ce qu'on appelle le style gothique. Alors, le style gothique, on le retrouve, par exemple, dans les décors qui sont au-dessus de la statue équestre ou dans celle des lucarnes, hein, à peu près là où je me trouve, à l'étage où je me trouve. Là, c'est une tradition gothique. En revanche, on voit la statue, on en a parlé tout à l'heure, hein, qui est de tradition italienne, et la galerie à gauche, sur la cour, bien sûr, qui renvoie à un usage d'un pays, l'Italie, au climat beaucoup plus chaud que la vallée de la Loire. So the Louis XII wing is characterized by its two colors, its red brick and its white stone. And it also integrates a number of classical or traditional Italian elements into its architecture. We already cited the equestrian statue of Louis XII above the entrance, but, and the dormer windows at the top. But in addition, the gallery, the arcades built here on the courtyard are very typical of the Italian style. Alors, ce château construit par Louis XII comprend beaucoup de sculptures. Hein. Il se caractérise par un décor sculpté très abondant, à la fois abondant
autour de toutes les fenêtres, au-dessus des portes, et très réaliste. Donc, on va retrouver soit des animaux, des singes, par exemple, soit des personnages, des guerriers. On a une femme qui fesse son enfant, on a un monsieur qui se masturbe, voilà. Donc, on a un décor, oui, voilà. Vous ne l'avez pas la photographie. Non, Donc, non, on a un non. décor extrêmement réaliste, et le fait que ce soit réaliste, c'est ça qui nous renvoie au Moyen Âge, hein. On verra que la Renaissance a un décor beaucoup plus symbolique et allégorique. So there are sculptures all over the chateau, and here are some that are inside, outside, next to windows, which are kind of inspired by the medieval style, but they're very modern in their subject matter. On the left, you have a monk, but Elizabeth was saying that they have them in many different about many different subjects, including animals, warriors, women spanking babies. And one photo that we unfortunately do not have with us, but which is quite interesting, is that the mayor of Blois around 1990 to 2001, I believe, was Jacques Lang. And Jacques Lang, who was the former minister of culture of François Mitterrand, in his capacity as mayor of Blois, undertook a lot of the restoration that makes the chateau look so phenomenal today. And to commemorate him, he too has a sculpture much like this, although it didn't do justice to his hair. That's my comment, not Elizabeth's. Nous ne voyons pas Jack Lang, mais bon. Non, Mais non, désolé. il montre ses fesses, Jack Lang. Bon? Oui, absolument. Bon. Voilà, alors, à nouveau, on entre dans le château. Là, ici, c'est l'aile, c'est censé être l'aile Louis XII, qui est une aile d'apparat. Hein, ça signifie qu'il y a des pièces qui sont faites pour les réceptions uniquement. Le roi a une vie publique. Donc, il a des appartements séparés où il va vraiment dormir. Donc, ici, on a une pièce d'origine italienne, une galerie qui ouvre sur ses appartements d'apparat, une grande salle et deux chambres pour le roi et la reine. Aujourd'hui, vous voyez une galerie de sculptures. Le musée des Beaux-Arts a été installé dans les anciens appartements du roi Louis XII. On en a vu tout à l'heure des extraits dans la vidéo. So we are still in the Louis XII wing, but this is obviously inside the wing. And this is a gallery, which was a new idea at the time, imported from Italy, where you have a long hallway that goes along one side of the wing, and it leads to the left to reception rooms. And these are the word in French is pièce d'apparat. And a pièce d'apparat is a formal reception room for public purposes. That's where you hold ceremonies and so on. Nobody actually lives there. Troisième grande période de construction et époque de vie au château. Donc, le roi François Ier devient roi le 1er janvier 1515. Il est tout jeune, il a 20 ans et c'est son premier chantier. Il veut transformer donc le château qu'il reçoit de son beau-père Louis XII et il va construire une aile qui va enserrer en fait le rempart du Moyen Âge. Nous voyons ici l'aile sur la cour qui est évidemment toujours aussi célèbre à cause de ce grand escalier. On voit cette symétrie très caractéristique de la Renaissance et ces belles lucarnes qui dépassent en fait d'un balcon très ouvragé avec un décor tout à fait à l'italienne. So now we're passing from the period of Louis II to the subsequent period of François Ier, his successor, who became king in 1515 at the young, tender age of 20 years old. And one of his first building project was to transform the chateau. And he built this wing that you see before us in a very, very different style from that of Louis XII, which was only built 10 years earlier. So this is the famous staircase about which we will talk a little bit more, but this is the view of the François Premier wing from the courtyard.
Voilà, donc il fait créer effectivement dès juin 1515, hein, on voit très très tôt dans son règne, un logis donc de style Renaissance. Alors sur la cour, le logis comprend un escalier qui était au centre de la façade à l'origine. Donc ce qui est important, c'est que c'est un escalier qui est de style gothique, c'est-à-dire de style moyenâgeux. Hein. Pourquoi de style moyenâgeux? Eh bien parce que c'est un escalier, on va le revoir en vis, qui est à l'extérieur du monument et qui a en revanche la même fonction que le château du roi Louis XII, c'est le nouveau château de la Renaissance, c'est-à-dire l'apparat. Vous voyez, l'escalier est fait pour voir et pour être vu. So the Louis, François Ier wing is best known for its famous staircase here, which originally was in the very center of the wing, and it is built in the Gothic style. But it also serves the function of ceremonial, it was built for ceremonial purposes so people could be seen. It was built on the outside of the building, and the function, once again, the word apparat, ceremony. Là, on voit effectivement avec l'escalier, François Ier, le rôle de l'architecture et d'un château pour un roi de France à ce moment-là. Ce n'est pas un logis comme nous aujourd'hui pour qu'il soit confortable, c'est une mise en scène du pouvoir du roi. Et c'est cet escalier en vis qui va jouer ce rôle de grande mise en scène du pouvoir du roi. Alors un escalier en vis, hein, ce n'est pas un escalier en révolution, c'est une vis. Vous avez une vis intérieure qu'on voit à gauche et une vis extérieure qui est celle des balcons. Et à droite, vous avez la vue sommitale de cette vis qui forme une sorte de palmier avec des médaillons qui portent les portraits et les emblèmes du roi François Ier et de son épouse Claude de France. So once again, the staircase was built for ceremonial purposes in the shape of a screw, a spiral, so people could be seen going up and down. It was built to demonstrate the power of the monarchy, not for the comfort, because they weren't protected from the weather as much as it would be if it were inside. And here's a good word, it was built hors oeuvre. Hors oeuvre, different from what we have before dinner. Hors oeuvre means hors bâtiment, built outside the work, outside the building. And here you have at the center of the staircase, it's in the shape of a bit of a palm tree with fronds going out in different directions and these medallions which had portraits of the king and queen. Alors voilà un détail de la façade sur cour, hein, à côté du grand escalier. On retrouve ces éléments vraiment inspirés de l'Italie. Vous voyez ces petits personnages qu'on appelle des putti en italien, hein, ces petits personnages nus qui sont vraiment d'inspiration italienne, comme tout le décor des fenêtres, les chapiteaux, tout cela est inspiré de style italien et en fait s'inspire de l'Antiquité que l'on redécouvre à ce moment-là, c'est-à-dire que les éléments de décor que vous avez là, vous pouvez les retrouver sur des temples de l'Antiquité. So this is a close-up of the facade overlooking the courtyard, which is built in the Italian style with putti here and highly sculpted decorations in the Italian style, which was itself a rediscovery inspired by a rediscovery of antiquity, the antique times. Alors ici, on est de l'autre côté, c'est-à-dire que vous avez une façade sur cour avec l'escalier, entre les deux, le rempart qui reste du Moyen-Âge et du côté ville aujourd'hui, qui était le côté des jardins disparus, vous avez une façade qu'on appelle la façade des loges, qui vient du mot italien loggia, donc les balcons, quelque chose de très nouveau en France. Alors il n'y a pas de liaison, hein, d'un balcon à l'autre. Et ils étaient faits pour voir les jardins d'en haut. Voilà. Aujourd'hui, c'est la rue, c'est un carrefour. En fait. On a vu tout à l'heure, tout au début de mon propos. So this is the outside of the François Ier wing that we were just looking at
with its admirable staircase. It's a totally different look. And it's known as the Façade des Loges, coming from the Italian word loggia, which means balcony. And when it was originally built, it overlooked the gardens of the chateau, which no longer exist. This style with the balconies is a complete novelty in France. There are so many of these balconies. Interestingly, none of them are interconnected. Each one is isolated. It's overlooking the north side of the chateau, away from the Loire. Alors nous rentrons à nouveau dans les appartements de François Ier, où les cheminées ont un décor à l'italienne. Vous voyez ce qu'on appelle effectivement le manteau de la cheminée. Vous avez ces décors avec des éléments végétaux qui sont d'origine italienne. Et au-dessus, les emblèmes du roi, François Ier, la salamandre. À droite, l'hermine pour Anne de Bretagne. Et à droite, un dessus de porte, on retrouve la salamandre du roi François Ier. Les décors sont effectivement, vous avez les emblèmes qui sont d'origine médiévale, mais tout le reste du décor est un décor à l'italienne. So the interiors are decorated by the emblems of the king, gilded emblems of the king. On the left, you have the salamander, once again, of François Ier. And on the right here, you have the ermine of his queen, Claude. Claude. Which is above a fireplace. Alors, à nouveau, l'intérieur des appartements François Ier avec une pièce qui est une pièce vraiment unique. C'est le cabinet de travail du roi François Ier, donc il crée en 1520, qui a conservé ses 237 panneaux sculptés. Alors, ce sont des panneaux de bois qui renfermaient des placards qui vont servir en particulier à renfermer des documents. Donc il s'agit bien à l'origine d'un bureau et on lui donne aujourd'hui le nom italien de Studiolo. Il a conservé aussi son plafond à l'italienne, vous voyez ce plafond à caissons, et toujours ces dorures qui sont caractéristiques de l'intérieur des appartements. Enfin, j'attire votre attention sur les sols. On en verra, donc les sols d'un château Renaissance sont en faïence très colorée, là aussi on le voit à droite. This magnificent room built around 1520 as an office, a cabinet de travail, a place to work, still has the original 237 sculpted wooden panels in it, and behind those panels there were closets and other places where you could store documents. I read that it is the only room in the castle to have retained its original decor. It's also worth pointing out that the floor here is built of faience, beautifully colored faience throughout. Donc maintenant, on va en quelques diapositives parler d'une période historique très importante pour le château de Blois, même si on n'a pas de transformation architecturale. Alors, ça se passe sous le règne du roi Henri III. Alors, Henri III, pour vous situer, est le petit-fils de François Ier. Donc, il va habiter longtemps Blois, enfin, y résider longtemps. Il va utiliser en particulier la grande salle médiévale qu'on avait vue tout à l'heure, très colorée, pour y réunir ce qu'on appelle les états généraux. On a les représentants des différentes parties de la société française, c'est-à-dire les nobles, le clergé et le peuple. Et depuis, cette salle s'appelle salle des états généraux. Voilà, c'est le nom qu'on lui a donné. Vous avez une gravure qui les représente. So now we're talking about the history that took place in the château more than the physical architecture of the château. And we pass now into the period of King Henri III, Henry III, who was the grandson of François Ier. And he reigned during the period of the wars of religion. And he used the Grand Salle, the medieval Grand Salle that we looked at earlier, the highly colored room that was built by the Comte de Blois in the 13th century, to call together the états généraux, the general estates of the clergy, the aristocracy, and the commoners
and they met in this great hall. And ever since then, it's been known as the hall or room of the estates. Alors, pendant le règne d'Henri III, il se passe un événement qui s'appelle la guerre des trois Henri, qui fait partie des guerres de religion. Bon, c'est un événement qui couvre quasiment la moitié du XVIe siècle, la deuxième moitié du XVIe siècle. Et vous voyez qu'à Blois, on a un tableau ici, vous voyez, un tableau qui représente l'un des événements de cette guerre dont beaucoup de moments se passent à Blois. Vous avez le roi Henri III en noir qui reçoit son ennemi, le duc de Guise. Alors la guerre des trois Henri, c'est Henri III contre Henri de Guise, le chef du parti catholique, et Henri de Navarre, le prince protestant, qui est héritier du trône. Voilà. C'est un peu compliqué, mais c'est d'un côté les catholiques contre les protestants, les uns ne voulant pas qu'un protestant devienne roi de France, puisque le roi de France est le chef de l'Église catholique. Alors cet Henri de Navarre deviendra roi plus après, sous le nom d'Henri IV, après être devenu catholique d'ailleurs. Another important event that took place in the château is what is known during the Wars of Religion is known as the War of the Three Henrys. The Three Henrys were Henry III, Henri III, here, King of France, Henry Duc de Guise, who was the head of the Catholic Party, known as the Catholic League. And then, not in this photo, I don't believe, or this painting, is Henri de Navarre, who was a Protestant prince, who was the heir to the throne at that time because Henry III did not have a son of his own. And since the Catholics opposed the idea of having a Protestant as their king, that was the cause of the Guerre des Trois Henri. Ultimately, Henri de Navarre would become King Henry IV, Henri IV. Alors, on vous a raconté tout cela parce qu'il va se passer quelque chose à Blois d'important à propos d'Henri de Guise. Donc, voilà un portrait du XVIe siècle que nous présentons au château. Hein. Les appartements sont meublés, présentent des œuvres d'art, dont celle-ci. Au milieu, vous avez Henri III, entouré de ses frères. Et Henri III, c'est celui qui conteste le pouvoir du roi. So, this, we mentioned this business about the Eighth Guerre de Religious War because of what happens in the château in that connection involving Henri de Guise, who is here in the center of this painting, which is found in the Château de Blois. These are his brothers on either side. They are not the other two Henri, but Henri de Guise challenged the power of his king, Henri III. Et ce duc de Guise, eh bien, va être assassiné sur ordre du roi le 23 décembre 1588. Hein, décembre, hein, on a vu tout à l'heure sur l'image, il y avait de la neige, effectivement. Donc le 23 décembre 1588, le roi va faire exécuter, en fait, le duc de Guise, que vous voyez sur un tableau qui est au château de Blois, et le duc de Guise au pied du lit du roi, et tout à gauche, vous avez le roi. Donc cet événement est extrêmement célèbre et a fait longtemps la célébrité du château de Blois. So this painting, which is in the château de Blois, shows the assassination of the duc de Guise on the orders of, here at the foot of the bed of Henri III, on the orders of Henry III, shown here on the left. Et peu à peu, voilà la chambre aujourd'hui du roi, donc dans les appartements du deuxième étage de l'aile François Ier, en fait, puisque Henri III habitait là. Donc voici ce lit royal que vous avez vu tout à l'heure, avec représenté sur le tableau. Et à gauche, un portrait d'ailleurs du roi Henri III. Alors c'est un lit d'apparat, là aussi. Hein. Donc c'est un lit où l'on reçoit ses hôtes. Ce n'est pas un lit où l'on dort. Okay. So this is in fact the king's bedroom that we just saw in the previous, in the painting, where the Duc de Guise was assassinated. This is Henry, a portrait of Henry III. Here is a portrait of the Duc de Guise with his two brothers, also in the chateau. And in the middle is the bed, which was a ceremonial bed, believe it or not, and not where the king actually slept.
Eh bien, peu de temps après la mort du duc de Guise, c'est la reine Catherine de Médicis qui meurt à Blois, hein, le 5 janvier 1789. Donc, Catherine de Médicis a été la mère de trois rois, et le dernier qui devient roi, c'est donc Henri III. Et elle meurt donc dans cette chambre que vous voyez à Blois, avec toujours ces décors extrêmement dorés et somptueux. Only 2 weeks after the assassination of the Duc de Guise, Henri III's mother, Catherine de Médicis, died in the queen's room, la chambre de la reine, shown here at the right. Catherine de Médicis was the mother of three kings, the widow of Henry II, and each of her three sons successively became kings of France. Donc, dernière période de construction du château, c'est le XVIIe siècle. Alors, au XVIIe siècle, nous allons parler de Gaston d'Orléans, le frère du roi Louis XIII. Alors, Gaston d'Orléans et Louis XIII sont les enfants du roi Henri IV, dont on a parlé tout à l'heure, et Louis XIII est le papa du fameux roi Louis XIV. Mais le petit Louis XIV naît très tard dans la vie de ses parents, le roi Louis XIII et la reine Anne d'Autriche, donc pendant 20 ans, Gaston d'Orléans est héritier du royaume, donc il a beaucoup d'argent, et il va décider de reconstruire le château royal de Blois. On le voit ici, le buste de Gaston d'Orléans qui surmonte la façade sur la cour. Ce buste, hein, pour vous donner une idée, fait 1,20 m de hauteur. So, for the final and fourth period in the development of the château de Blois, it became the residence of Gaston d'Orléans in 1626. Gaston d'Orléans was the brother of the king, Louis XIII, who was the son and successor of Henry IV that we saw a moment ago. And he was actually the heir to the throne for 20 years because Louis XIII and Anne d'Autriche did not have any sons. And as a result, being as he was the heir, he had a lot of funds available. And he decided to use some of those funds to reconstruct the château. Donc, il va décider de démolir le château de la Renaissance pour en faire un bâtiment à la mode de ce moment-là, ce qu'on va appeler, nous, un bâtiment de style classique. Donc, vous avez ici une très belle photographie de l'aile qui a été réalisée. Et il confie le projet à l'architecte François Mansart, qui est le grand-oncle de l'architecte qui construira plus tard le château de Versailles, c'est-à-dire Jules Ardoin Mansart. Voilà. Alors, François Mansart est célèbre pour ses toits qu'on appelle des toits à la Mansart. So, Gaston d'Orléans entrusted the project, the reconstruction project in the classical style, of which you see one wing. More was anticipated, but this is the one wing which was built in the classical style, highly different, as you can see, by the architect François Mansart with the Mansart roof that you will recognize here. It was actually François Mansart's nephew, great nephew, who was the architect, one of the architects of Versailles, Jules Ardoin Mansart. In order to build this wing, starting in 1635, François Mansart demolished part of the Renaissance chateau in order to build this wing. Donc, François Mansart est un jeune architecte à ce moment-là, donc très, on dirait aujourd'hui très tendance, et il va donc construire un château qui est à ce moment-là tout à fait à la mode de l'époque, donc avec une façade très symétrique et où se superposent les trois ordres d'architecture antique, c'est-à-dire les trois styles de colonnes qu'on retrouve dans les temples de l'Antiquité, le style dorique, ionique et corinthien. Voilà. Tout cela étant effectivement très, 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 très symétrique. Hein. On voit donc le château, ici on est la façade sur cour. Hein. So this is the château, the wing that was built by François Mansart in a very classical style. And as you can see, it is very symmetrical and it follows the antique order where you have the three columns, one on top of the other, Doric, Ionic, and Corinthian.
which was the mode at the time. À l'intérieur, donc le bâtiment n'a pas été terminé, mais il reste décoré, ce magnifique vestibule. En fait, c'est une cage d'un grand escalier et vous avez deux coupoles emboîtées et on voit les magnifiques sculptures qui ont déjà été réalisées. Donc, c'est un décor d'une très, très grande richesse qui montre effectivement ce qu'aurait pu être le bâtiment s'il avait été terminé. So the building was never finished, but during the 3 years of its construction, in addition to the exterior, the inside, this spectacular staircase was built, highly decorated with sculptures, and at the very top of it is a double cupola. On a dit inachevé parce que on se rappelle donc que Gaston d'Orléans était l'héritier du trône, mais 20 ans après le mariage de ses parents, naît le futur Louis XIV. C'est pour ça qu'on l'a appelé Dieudonné d'ailleurs, Louis Dieudonné. Eh bien, à ce moment-là, Gaston d'Orléans n'a plus d'argent. Donc, plus de financement pour finaliser son projet et le château va rester inachevé. Donc, on a vu seul tout à l'heure le vestibule qui a été réalisé et le reste de l'aile, eh bien, comprend aujourd'hui soit des salles d'exposition, soit des salles de réception, comme celles que vous voyez là, qui d'ailleurs peuvent être louées à des entreprises pour des séminaires. So, what happened in 1638 that meant that the work on the aile Gaston d'Orléans stopped? What happened was the birth of the future Louis XIV, 20 years after his parents had been married, rather unexpected. And as a result, the baby Louis was known as Louis Dieudonné, which means gift of God. And since all of a sudden there was an heir to the throne, Gaston d'Orléans no longer had access to funds to complete his project and it was abandoned. The interior rooms were never completed. They have been restored now for use as reception rooms and can be rented for conventions or any kind of meetings if you wish. Et on arrive à la fin de notre histoire. En 1788, à la veille de la Révolution qui débute en 1789, le roi Louis XVI décide de détruire le château qui est trop coûteux à entretenir. Et il va être sauvé parce qu'on a besoin d'une caserne militaire à Blois. Et donc le château est transformé en caserne militaire. Vous avez ici une photographie de l'entrée sur la place où il n'y a plus la statue, hein, puisque à la Révolution, on va abattre les symboles royaux. En revanche, vous voyez qu'il est écrit « caserne d'infanterie », on aperçoit des militaires. Donc c'est une photographie évidemment de l'époque. Hein. So here we are in getting to the end of our story at the eve of the revolution in 1788, when the king, Louis XVI, decides to destroy the chateau because it was too expensive to maintain. But luckily for us, the chateau was spared and transformed into a military barracks during the revolution. During that time, and you can see it says Caserne d'Infanterie, above the entrance. This is the same entrance that we saw earlier, and Elizabeth is up here presently. And as you can see, the equestrian statue of Louis XII has been torn down because all symbols of the monarchy were destroyed during the revolution. Et enfin, le château va être restauré à partir de 1843. Donc le chantier est confié à Félix Duban, qui est peu connu, moins connu que Viollet-le-Duc, mais c'est un maître de Viollet-le-Duc. Alors, on voit ici l'escalier, hein, donc, qui avait perdu une partie de ses statues et qui avait une toiture un peu curieuse. Et donc, à partir de 1843 jusqu'à la fin du 19e siècle, le château va retrouver sa splendeur perdue. Starting in 1843, the château started to be restored. The first architect was Félix Duban, who was in fact the master or the teacher of the better known Viollet-le-Duc, restoration architect. And you can see in this picture here, the
escalier, the stairway of François Premier has a rather strange thing on the roof, but the restoration started in 1843, but it went through the end of the 19th century. Alors, Félix Duban traite aussi les intérieurs. Il va faire quelque chose d'assez extraordinaire. Il va recréer un décor Renaissance là où il a disparu. Donc, il faut savoir que le 19e siècle va sauver les châteaux de la Loire, pas seulement Blois d'ailleurs, en menant une grande restauration parce que le 19e siècle, c'est le moment où on revient vers le passé. Il y a beaucoup d'historiens et on va revoir les périodes du passé, en particulier le Moyen Âge et la Renaissance. So on the inside, Duban restored not only the outside of the chateau, but also the inside of the chateau. And he basically everything that you see on the inside today, except that paneled room, the office room with the 237 sculpted wooden panels, was redone by Duban after doing considerable research to what the Renaissance style looked like. Alors aujourd'hui, il se passe qu'on a refait un jardin. Vous avez vu tout à l'heure que le château de Blois était au milieu de la ville, mais nous avons une terrasse avec une magnifique vue sur la Loire et nous avons l'an dernier créé un jardin sur cette terrasse en sachant que cette terrasse n'a jamais été un jardin à l'origine. A recent development was just last year. The Chateau de Blois opened this new space on the terrace of the chateau overlooking the Loire. This had never been used as a garden space before. Et voilà une autre vue de ces jardins qui montre comment on est situé. Hein. Derrière moi, il y a la Loire et en face, vous avez la cour avec au fond le grand escalier François Ier. So this is a view of the courtyard through an opening from the terrace that we were just looking at. En fait, voilà un dessin de 1576 qui nous montre ces jardins tels qu'ils étaient. Hein. Ils étaient aujourd'hui, c'est la ville de Blois qui les a remplacés. Donc vous avez à gauche un dessin du château tel qu'il était en 1576 et ces grands jardins qui allaient du château actuel jusqu'à l'actuelle gare, donc 10 000 mètres carrés qui ont disparu après la Révolution, englobée par la ville, en fait. I may have gotten a year wrong there, but this is a dessin 1567, vous avez dit? 76. Ou Henri III. So this is a design from our friend Jacques Andoué, is this so? C'est cela, oui. From 1576. Of what once the remarkable gardens of the chateau that had been built or created by the King Louis XII on the north side of the chateau. These are the gardens that the wonderful Façade des Loges built by François Premier overlooked, but unfortunately they were demolished at the beginning of the 19th century. Voilà. Donc vous avez compris que le château de Blois avait une histoire longue, complexe, à la fois architecturale, événementielle, donc il s'est passé beaucoup de choses. Et on vous raconte tout cela tous les soirs, de Pâques à la Toussaint, dans un spectacle nocturne, une forme de son et lumière, où vous voyez justement une vue de la cour de jour comme de nuit. So you have just heard this wonderful presentation, the long history and eventful history of the Chateau de Blois, but you can also see it in a wonderful spectacle of sound and light, which takes place every night, I believe, between Easter and All Saints Day at the beginning of November. So hurry down. Voilà. Et on se dit au revoir sur une vue de ce magnifique son et lumière hein, que je rappelle, vous pouvez en écouter dans votre langue hein, puisque nous avons des écouteurs qui permettent d'entendre cette histoire bien sûr en anglais et dans d'autres langues. Voilà. Donc j'espère que vous viendrez à Blois lorsque nous aurons rouvert, parce qu'aujourd'hui le château de Blois est fermé en raison de la pandémie.
Et donc, bah, écoutez, je vous dis à bientôt et je suis à votre disposition pour les questions éventuelles. Formidable. So, to complement what was said just about the sound and light show, it's done in 10 different languages, so there's no reason why anybody who's can't visit and enjoy the sound and light show, as are the écouteurs, the audio guides that you go around to see the chateau. But I doubt that the chateau, personally, I don't think you're going to get a better visit to the chateau than we have just had from Elisabeth La Trémolière. Thank you very much, Elisabeth. Et maintenant, on va passer à la séance questions-réponses with questions from the chat line to begin with. Bonjour, Russell. Just to help you, I've spotted a few questions. I will tell them in English and you can pass them on to Elisabeth for an answer. But what a great conversation. Everybody's under the charm of Elisabeth and Blois and Russell, of course. So let's see. The first question is very architectural, so I think you're going to like it. It is from Pauline, and she asked, François Ier was involved with Blois and with Chambord, which has a very similar but more elaborate double helix stair. Was it inspired by Blois, or are they related? Will you compare and contrast, please? So very architectural question. Bon, la question, c'est, ça concerne les escaliers, l'escalier de François Ier de Blois et également l'escalier à Chambord. Tous les deux ont été construits par François Ier. Est-ce que l'un a été l'inspiration ou l'autre? Y a-t-il des comparaisons ou des contrastes que vous pouvez faire? Il n'y a pas d'inspiration de l'un à l'autre. En fait, c'est deux escaliers différents. À Blois, c'est une double vis. C'est-à-dire, vous avez comme un tournevis, vous avez une vis au milieu, et puis vous avez l'extérieur qui tourne en vis. À Chambord, vous avez en fait deux escaliers. C'est une double révolution, un escalier l'un sur l'autre. Voilà. À Blois, c'est un escalier vraiment de style médiéval qu'on a voulu mettre à l'extérieur pour justement le prestige du roi. À Chambord, c'est une structure là aussi médiévale puisque l'escalier est au milieu dans le donjon. Mais mon collègue de Chambord vous en parlera beaucoup mieux. Mais il n'y a pas d'inspiration de l'un à l'autre, sauf que vous avez effectivement le principe d'un escalier tournant. Et que le principe d'un escalier tournant, c'est un escalier de type médiéval, du Moyen-Âge. L'escalier italien à la Renaissance est un escalier à rampe droite, comme ceux qu'on a l'habitude, nous, de voir aujourd'hui. Pour compléter la question, est-ce que Chenonceau a le même type d'escalier que Blois? Chenonceau, il a les deux. Il a un escalier à rampe droite, il a des escaliers en vis. Hein. Ah, okay. Donc vous allez avoir longtemps les deux. Hein. On va utiliser des vis dans des petits escaliers ou quand on n'a pas de place hein, pour mettre longtemps l'escalier droit va être un escalier d'apparat et qui prend aussi beaucoup de place. Hein. So the answer is no. This is not the one did not inspire the other. The one built at Blois was actually much earlier. I mean, 1515, starting in 1515, it was later. At Chambord, the one at Blois is built in a medieval style, a double vis, which is a kind of a screw, it goes a spiral, I would call it, going up. Whereas the one at Chambord is a totally different and unique style, likened to a double helix. It's in fact two different staircases, quite spectacular. Both of them take up a lot of room, so they're both so-called escalier d'apparat. Ceremonial staircases. Merci. There was a question earlier on that was partly answered by Timothy Young. Merci, Timothy. But it was a question from Peggy, and maybe Elisabeth can add to this. It says, what court did François Ier come from before his royal mariage? Alors, la question concerne François Ier. Et qu'est-ce qu'il faisait avant de devenir roi? Oui, où était-il? Alors, François Ier était duc d'Angoulême. Donc, il est le cousin de Louis XII, c'est-à-dire qu'on prend comme roi le plus proche parent
du roi quand le roi n'a pas de garçon pour devenir roi. En France, seuls les garçons deviennent rois. Donc, Louis XII n'avait que deux filles quand il est mort. Donc, c'est un cousin, un lointain cousin. Alors, la cour d'Angoulême, hein, Angoulême est une ville qui est aujourd'hui en l'ouest de la France. François Ier est né à Cognac, qui est près d'Angoulême. Et c'était une cour très brillante, hein, une cour d'intellectuels. Ce n'était pas une cour royale, mais c'est une cour effectivement d'intellectuels. Son père est réputé pour avoir eu une bibliothèque en particulier extrêmement riche qu'il a léguée à son fils. Et il faut rappeler que François Ier va créer une grande bibliothèque royale qui va devenir aujourd'hui, qui est aujourd'hui la Bibliothèque nationale d'ailleurs. Où est-ce cette bibliothèque? Oui, c'était créé où? Par François Ier? Alors, oui, là, François Ier crée une bibliothèque à Blois. Il reprend une partie des livres de son père, de la cour d'Angoulême. Il va en reprendre, il y en a d'autres origines. Mais il va créer une bibliothèque à Blois, extrêmement importante, qu'il montra à ses visiteurs, dont il était très fier. Alors, il faut savoir qu'il achète des manuscrits médiévaux. Hein. C'est une collection, c'est des beaux objets, une bibliothèque à l'époque. Hein. Ce n'est pas seulement un centre de documentation. Et cette bibliothèque, il va la transférer beaucoup plus tard, en 1544 à Fontainebleau, et elle va devenir le fonds de la Bibliothèque nationale, aujourd'hui à Paris, qui a un fonds exceptionnel de manuscrits qui viennent, en fait, manuscrits du Moyen-Âge, qui viennent de la collection de François Ier. Je ne sais pas si voilà, j'ai détaillé un peu. Non, Bruxelles, non. Je vous laisse traduire. Ok, fascinant, merci. So, François Ier, before he became King François Ier, he was the Duc d'Angoulême, but perhaps more importantly, he was the a cousin of Louis XII, his predecessor, and Louis XII had two daughters but no sons. So then if you under Salic law in France, only sons can become king, males can become king. So the nearest male heir to Louis XII was François Duc d'Angoulême, and who was therefore the successor to Louis XII. As Elizabeth pointed out, François Ier came from the court of Angoulême. He was born nearby in Cognac, and the court of Angoulême, the city of Angoulême, it was an extremely sophisticated court, known for being highly intellectual. And one of the things that was famous for was its library. And in fact, François Ier created also a wonderful library at Blois, but ultimately he left Blois and more or less installed himself as his next favorite residence in Fontainebleau near Paris and took his library with him. And that library was added onto and it now is the basis for the National Library of France. Merci, Russell. You are incredible at translating right on the fly like this. I'm very impressed by this. Bravo. Maybe we'll take one last question, but I just want to say for Elizabeth, in case she's not able to see the chat line, there's so many people who enjoyed the talk, say they went to visit Blois, they cannot wait to go back. And maybe that will bring me for a question about the present and what we're experiencing right now, which is a pandemic, which has an impact on everything. So the question is, how many visitors does Blois get in a normal year, let's say the last normal year, and how many this year? And really, what is the impact on this beautiful property? Alors, la question est... Combien de visiteurs est-ce que Blois reçoit normal, dans une année normale? Et comment le château été impacté, les visites ont été impactées par COVID en 2020? Alors, fréquentation. Voilà. Le château reçoit environ entre 350 000 et 400 000 visiteurs par an. En 2020, nous avons eu 3 mois de fermeture, en comptant le mois de décembre, le mois de novembre, donc 4 mois de fermeture. 4 mois de fermeture, nous avons perdu 40% de notre fréquentation sur l'année 2020 et nous n'avons pas encore ouvert en 2021 puisque nous sommes fermés depuis le 1er novembre. Voilà. Et qu'on n'espère pas rouvrir avant
mars, voire fin mars. Donc, effectivement, pour nous, la situation est difficile. So, in a normal year, Blois would expect to receive between 350 and 400,000 visitors. In 2020, the chateau was closed for 4 months, and it lost 40% of its visitors. Of course, you know, the visitor, more visitors come in the summer than come in the winter. And the chateau closed on November 1st again, and it remains closed, and it hopefully will reopen in March, but no date has been set yet. However, all of you are more than welcome to come as soon as it does open. So please hurry to see this magnificent chateau. Merci, Rosso. Merci, Elisabeth. We usually try to stop around 1 o'clock. You guys have been very good about time. It's almost 1:15 now. So I would say, Russell, if you want to wrap it up, and from the Alliance Française de Chicago, thank you at all of you who were here today sharing a visit of Blois with Elisabeth and Russell. Thank you, Aimé. And of course, our most sincere thanks to Elisabeth Trémolière for her excellent and very, very easy to follow presentation through the many successive ages of Blois, which has certainly inspired many of us to visit Blois in person at the earliest opportunity. I'd like to also thank our co-hosts for the series, the Alliance Française chapters in the United States, the French Heritage Society, and WICE, and to thank you all in the audience for your participation, and also hoping that you will be able to join us next week at the same time, same place, for a tour of the Chateau de Chambord, and we can see the double helix there with its heritage curator, Yannick Mercoeur-Coyrol, which is a very different chateau from Blois. They each are magnificent, but in very different ways. So now I would invite you all to please unmute yourselves and join me in giving a round of applause to Elisabeth Trémolière. Merci bien, merci. Elisabeth. Merci. 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 Merci bien. Merci. Merci beaucoup.